aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi 22 juillet. Il est actuellement 9h je crois. Je vais partir d'ici 30-40 minutes au boulot parce que je suis de 10h30. Je suis de 10h30 aujourd'hui, donc je finis à 18h30. En sortant du boulot, j'irai déposer deux colis Vinted et puis j'irai chercher des carottes pour mon cochon d'Inde en même temps. Génial. Mais au moins, voilà, j'irai chercher des carottes pour mon cochon d'Inde et je déposerai mes deux colis ce soir, je pense. Je vais pas y aller tout de suite parce que, à mon avis, il va y avoir un petit peu plus de monde que d'habitude. Enfin bref. Sinon, niveau lecture, niveau colo. Alors, hier, toute la journée, je vous ai repris au matin. J'ai principalement fait que des marque-pages hier. Donc, j'en ai plastifié pas mal. Il faudrait que je les coupe dans la semaine ou le week-end prochain. Il faut que je continue à... en fait, j'ai fait des marque-pages pour l'anniversaire de mon père. Donc, j'ai fait des marque-pages un petit peu brocantes, anciens. Donc toujours plastifié, donc il y a une image derrière, derrière il y a un petit mot que j'ai fait spécial pour son anniversaire et il y a un petit pompon. Alors j'aimerais bien recommander peut-être des petits pompons parce que couleur or comme ça j'en ai pas beaucoup, donc on verra, je recommanderai peut-être, mais voilà, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai aussi plastifié d'autres marque-pages pour vous dans les commandes Vinted. Vous savez que à chaque fois que vous commandez quelque chose sur Vinted, je vous mets un petit mot à l'intérieur et je vous offre un marque-page fait main avec un pompon. Donc voilà, j'ai fait ça hier après-midi. C'est vraiment, on a vraiment trop rien fait hier. Clairement, ça a été repos. Je vous avouerai que je n'ai plus de physique. Je suis HS physiquement, clairement là. Je suis très HS physiquement. En fait, samedi, on a été faire du béton, donc la nouvelle terrasse de mon beau-père. Et en fait, on a porté toute la journée. On est resté debout toute la journée. J'ai le dos en vrac. Et là, va vraiment falloir que je fasse très attention à ma santé parce que je sens qu'à tout moment, je peux claquer du dos et ne plus jamais me relever. Donc, ça devient très compliqué. Je vous avoue que moi, niveau médicaments, je n'aime pas en prendre. Donc, je prends pas forcément de médicaments parce que je n'aime pas ça. Donc, ouais, c'est compliqué. Là, normalement, j'ai ma consultation le 5 août pour mes infiltrations. Et dans la foulée, j'aimerais bien faire les infiltrations. Comme ça, être tranquille. Et puis, les faire pendant mes congés, surtout. Donc, voilà. Enfin bref, c'est assez compliqué en ce moment, je vous avouerai, ma santé ne me suit plus là. Ma santé physique ne me suit plus, mais bon, soit, là j'ai hyper mal en fait. J'essaye de me tenir droite et de faire toutes les bonnes postures, mais ça devient compliqué. Soit. Donc hier, voilà, ça a été repos, on va dire. J'ai continué quand même à faire deux cartons. Enfin, de carton, c'est deux grands bacs où j'ai mis tous mes manteaux d'hiver, ce qui est pas lourd, et toutes mes bottes, mes bottines, etc. J'ai refait du tri, j'ai mis sur mon compte Vinted une écharpe que je n'aime plus trop et des bottines, pareil, qui ont fait le tour. Donc j'ai mis ça sur mon Vinted hier, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. De toute façon, le lien est toujours en barre d'infos. Et ensuite... rien de spécial en fait, j'ai fait que ça. J'ai pas trop colorié parce que j'avais pas l'envie spécialement hier de colo. Mais par contre là, hier et ce matin, j'ai bien avancé mon bouquin. Donc les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. J'en suis à là, ça se lit très vite. J'en suis à la page 140, chapitre 11. Donc là, pour la petite histoire, je vais le prendre avec moi ce soir pour le boulot. Vous savez que quand on est à 18h30, des fois, on est qu'une équipe de deux jusqu'à 18h30. Donc en fait, des fois, vous avez des moments où vous avez rien, aucun transport, etc. Donc je peux me permettre de prendre un livre ou quelque chose comme ça pour m'occuper que d'être sur mon téléphone. Donc je vais me prendre ce livre-là pour le continuer. Mais je vous avouerai, je suis perplexe parce qu'en fait, c'est une lecture que j'ai envie à chaque fois de retourner dedans.
C'est une lecture, mais tellement parfaite pour l'été. Clairement parfaite pour l'été. Moi qui pars pas en vacances cette année, là j'ai l'impression de vivre les vacances avec elle. Je suis en demi-teinte parce qu'en fait, là, l'ambiance du livre, les décors, le paysage, etc., je suis à fond dedans. Et d'un autre côté, en fait, ça me fait beaucoup de peine de voir cette famille aussi écartée. En fait, c'est une famille, donc il y a Lena, Phoebe, donc qui sont deux sœurs, et puis leurs parents qui s'en vont chaque année chez leur grand-mère pour passer un mois de vacances, donc dans le sud. Et ça va pas trop parce que, ben écoutez, comme dans toutes les familles, il y a des petits hics, et là, c'est des gros, gros hics, et on voit que la famille est un peu déchirée. Et il y a beaucoup de conflits, énormément de conflits. Ça me... Je sais pas comment dire. Ça me fait mal au cœur en fait parce que ça pourrait être une famille tellement liée. Et pour l'instant en fait c'est toujours dans le même mood de conflit. Donc ça m'embête un peu mais j'espère que ça va se résoudre quand même parce que franchement la plume de Clara Hero là je suis mais à fond, clairement à fond. J'ai qu'une envie c'est d'y retourner, de le lire, d'y retourner, de le lire. Et je le kiffe, clairement, je le surkiffe. Donc écoutez, je vais le reprendre avec moi ce soir. Et toujours avec mon petit marque-page été. Trop beau. Donc ouais, j'espère le continuer au boulot si c'est calme. Je pense pas que je pourrais le continuer ce soir. Mais du coup, de la même autrice, j'avais lu L'effet boule de neige qui avait été un petit coup de cœur. Et Nos plus belles années, en fait, je pense que je vais bientôt me le procurer parce que j'adore sa plume. Vraiment, j'adore sa plume. Le format est hyper bien, hyper fluffy. C'est le format parfait pour l'été, clairement. Donc voilà, j'ai continué un petit peu ma lecture audio. Je vous avouerai, je vous ferai un point en milieu de semaine, je pense, dans la lecture audio. Parce que j'avance bien. Mais ça sert à rien, je pense, de vous faire un petit résumé à chaque fois. Donc voilà, écoutez, là je vais descendre. Je vais peut-être continuer un petit peu de colorier. Je vais voir, j'ai. Je sais pas en fait. Est-ce que je continue des marque-pages ou est-ce que je continue de colorier? Mon avis là, ce serait de continuer les coloriages, les marque-pages. Et pourquoi pas continuer mon colo ce soir à la rigueur si j'ai la motivation. Je vais voir. Ouais, bon là écoutez, je vais continuer mes marque-pages. Je pense pas que je vous reprendrai pour aujourd'hui parce que ça va être chargé. J'ai des horaires assez spéciaux. Pour demain matin, pareil, je pense pas vous reprendre demain matin, peut-être demain soir, sûrement. Parce que le souci, c'est que mon copain a un petit souci sur sa voiture. Donc il doit déposer sa voiture au garage ce soir, mais sa mère le raccompagne à la maison ce soir. Vu que je termine plus tard, je peux pas aller rechercher. Et demain matin, il doit prendre ma voiture pour aller travailler. Donc il me dépose et viendra me rechercher. Donc là, ça va être complicado de vous reprendre demain, sachant que ça va être, je pense, la course. Donc on verra. On verra. Là, je vous laisse. On se retrouvera demain, c'est sûr. Mais demain soir, je pense. Voilà. À demain. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog. On est mardi. Je vous avais dit que ce matin, ça allait être compliqué de vous reprendre parce que, ben... On est mardi. J'avais dit que mon copain devait déposer sa voiture au garage, qu'il me dépose au boulot et qu'il gardait ma voiture toute la journée. Sauf que le souci, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la panne aujourd'hui, donc il n'a pas pu récupérer sa voiture. Enfin, demain, il se débrouillera pour aller au boulot parce que moi, je commence plus tôt demain. Je fais 7h30, 15h30. Donc, il va s'arranger avec des collègues pour aller le chercher, etc. Parce que moi, sinon, à 15h30, j'ai personne pour venir me rechercher. Donc, ça serait un peu plus compliqué comme ça. Mais soit, ils ont trouvé la panne, donc c'est cool, ils vont s'en occuper demain. Donc, espérons qu'ils la récupèrent demain. Mais voilà, ce matin, c'était un petit peu plus la course que d'habitude. J'ai passé une journée cool au boulot, voilà. C'était chargé, mais comme il fallait. Donc, c'est bien. On va parler lecture, coloriage. J'ai pas avancé, clairement, je n'ai pas trop trop avancé, je vous avoue. Le colo, en fait, il faudrait vraiment que je sois posée pour le faire. Et le soir, j'ai du mal. Je pense que ce week-end, ça va être un petit peu plus accessible pour moi pour le faire.
Donc on verra ce week-end. Là, il est un peu plus de 19h. Mon copain est parti se faire couper les cheveux. Donc là, je suis toute seule. J'ai été me laver, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, désolée, je regarde un message. J'ai continué quelques marque-pages. Donc là, je continue à faire quelques marque-pages. Dans mon bain, j'ai continué un petit peu à lire. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Je ne sais pas si pour l'instant c'est un coup de cœur ou pas. On verra peut-être au fur et à mesure de l'histoire. Mais alors, qu'est-ce que j'adore l'univers. Enfin, qu'est-ce que j'adore être dans ce livre. Ça me met de bonne humeur. J'ai l'impression d'être en vacances. Mais clairement, moi qui pars pas cette année, j'ai clairement l'impression d'être en vacances dedans. J'ai l'impression d'être avec eux dans le sud, de vivre leur histoire d'amour, leur histoire de famille, c'est tellement prenant, poignant. On voit leur mal-être, donc je vous avais dit, c'est l'histoire de deux sœurs, etc. Et on voit tellement leur mal-être et j'ai l'impression d'être avec elles, ça me fait du mal en même temps qu'elles. Et c'est juste, ce livre est exceptionnel. J'en suis à la page 173, donc évidemment, j'en suis un peu moins de la moitié. Mais j'avance quand même pas mal. J'aimerais bien le terminer avant cette fin de semaine, avant le mois de juillet. Voilà, parce que j'ai d'autres lectures qui m'attendent. Mais ça se lit super vite. C'est parce que voilà, j'ai pas forcément le temps. Mais je sais que si je m'y mets pendant 1 heure, je peux avancer bien. Donc ce week-end, l'objectif, ça va être de l'avancer un max. Dans ma lecture audio, par contre, j'avance beaucoup. J'en suis un peu plus de la moitié. Ou à la moitié, je pense. J'en suis à la page 500, donc sur 973. Donc ouais, j'en suis un petit peu plus de la moitié. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai été sur l'application Audible. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vitesse pour parler au niveau de l'écoute. En fait, j'avais mis à la plus basse. En fait, j'ai augmenté d'un cran la vitesse de lecture et c'est beaucoup mieux, je comprends mieux. Et puis, ça va un petit peu plus vite au niveau de l'écoute, donc j'avance un peu plus vite. Là, pareil, l'objectif, ça serait de le terminer avant le mois d'août pour avoir cette lecture audio terminée pour que j'en commence une autre brique. Voilà, j'ai une autre brique qui m'attend pour le mois d'août. Donc voilà, j'aimerais bien terminer celui-ci pour pouvoir entamer au mois d'août une autre lecture audio. Donc voilà au niveau lecture. Sinon, là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu mes marque-pages. Je ne sais pas quand est-ce que mon copain va rentrer. Je ne sais clairement pas. Ou alors je pense que je vais m'arrêter là pour les marque-pages. Comme ça, je descends et je vais regarder un petit peu la télé. Je vais m'occuper. Je pense que je vais faire ça. Niveau lecture, je vais les laisser ici parce que j'en ai plus besoin. Là, je vais ranger mes stylos, mes stickers, tout ce que j'avais sorti. Et puis on est bien. Là, le programme des prochains jours, demain, en sortant du boulot, j'aimerais aller faire 2-3 courses parce que j'ai une recette que j'ai vue sur TikTok. Donc je vais aller faire quelques courses en sortant. Et puis après, je ne bouge pas. Je rentre à la casa pour préparer du coup la recette que j'ai vue pour ensuite me détendre et faire les choses que j'ai envie de faire. Pareil, jeudi j'ai rien de prévu, je rentre direct à la maison mais il faut que je reparte à quelle heure? 16h30 plutôt pour aller à ma maison parce que en fait à la nouvelle maison il y a un petit raccordement du tout à l'égout à faire. Et de ce fait on a appelé une entreprise pour qu'ils viennent le faire. Donc en gros, ils peuvent venir dès qu'on a les clés nous faire le raccordement du tout à l'égout, puisque on ne touche pas à l'électricité, on ne touche pas à la peinture, au carrelage, quoi que ce soit. Ça se passe au niveau de la cave et au niveau du parvis de dehors. Donc là, ils viennent jeudi. Donc logiquement, ils viennent voir un petit peu ce que ça donne. Et puis moi, avec eux, je peux fixer une date pour pouvoir faire le raccordement du tout à l'égout. Voilà. Donc voilà. Et vendredi, je finis à 16h45. J'aurais aimé aller à la piscine, mais en fait, des fois, j'y vais toute seule, ça ne me dérange pas. Mais en fait, je veux faire des longueurs pour me faire du bien au dos. Sauf que là,
Y aller toute seule, ça me dit moins en ce moment. Je suis évidemment. Je peux. Ouf, je vous ai fait tomber, je suis désolée. Qu'est-ce que j'allais dire? Je peux très bien aller toute seule, mais l'envie d'y aller à plusieurs ou à deux est plus présente. Donc à voir. Mais je pense pas que j'irai vendredi, sachant que mon copain va faire du tennis avec un copain. Donc en gros, je pense que vendredi, ça va être soirée light et j'aimerais bien colorier ou faire des marque-pages, voilà. Sinon samedi, normalement on n'a rien de prévu, dimanche non plus. Donc vraiment, ça va être repos tout le week-end. Samedi, mon copain m'a dit, on remet ça à dimanche ou samedi. En fait, le week-end dernier, je voulais ranger toutes mes pop une par une. Parce que ça, c'est quelque chose qui va me prendre énormément de temps. Et je sais que mon copain adore faire ça en fait. Et surtout les trucs Harry Potter, il kiffe ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas ce week-end justement les ranger une par une. Et en plus, j'ai des boîtes pour les ranger. J'ai plein de trucs pour ranger. Donc commencer aussi à vider les bibliothèques Harry Potter. J'ai énormément de mal à enlever là pour l'instant mes livres de ma pal des livres lus, pas de ma palle. En fait, j'ai besoin de les avoir sous les yeux, de voir à quel point j'ai beaucoup lu l'année dernière. Je me rends compte qu'en fait, l'année dernière, j'ai repris un rythme de lecture quand même assez conséquent. Alors, il y a eu des périodes où j'ai un peu moins lu et il y a des périodes où j'ai beaucoup lu. Et en fait, je pense qu'à partir de juin l'année dernière, j'ai enchaîné les lectures et en fait, ça me fait du bien de les voir. Donc là, pour l'instant, j'ai besoin de les voir. Donc c'est bien. Soit je parle trop, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends demain matin dans la voiture et je vous dis à demain matin. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog. On est mercredi today. Il est 7h10, 15. J'ai démarré plus tard parce qu'évidemment mon copain avait laissé les deux clés de maison dans la voiture, donc j'ai dû aller rechercher et lui en ramener une. Donc j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps ce matin et j'ai fait quand même pas mal de choses. Enfin bref. Soit j'avais deux colis, mais du coup j'avais pas les bonnes clés. Donc franchement, je les prendrai ce soir. Il n'y a rien de. Enfin si, il y avait quelque chose d'urgent, mais c'est pas grave. Tant pis. Là, j'ai mis ma nouvelle robe, je suis trop contente, elle est trop belle. Je sais pas si vous allez voir, c'est une combi, enfin c'est pas une robe, c'est une combi short. Mais elle est trop belle, je la kiffe. Bref, donc aujourd'hui je fais 7h30, 15h30. Je rentre à la casa en sortant et je ne bouge plus de chez moi. Je ne bouge plus de chez moi, je... Ah si, c'est vrai, je devais aller faire des courses. Oui, bah, je dois aller faire des courses et après je rentre et je bouge plus de chez moi. C'est mieux. Voilà. Donc ouais, j'essaierai de vous reprendre pour faire, enfin, c'est même sûr pour faire le retour de course. Puis après, je ferai ma recette ou je la ferai en dernière minute, peut-être la recette, je sais pas. Je ferai ma recette et puis voilà. Ce soir, j'aimerais bien peut-être continuer mon colo, mais c'est pas sûr. Lire, c'est sûr. Et j'aimerais bien peut-être aussi continuer quelques marque-pages, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà pour le programme. Assez chargé quand même. On est mercredi. Ça va. Demain jeudi et après la dernière vendredi. En fait, depuis 15 jours à peu près, j'attends les week-ends avec impatience parce que ben. Je trouve que les semaines passent à une vitesse et qu'en fait j'ai le temps de rien faire. Donc je profite du week-end pour pouvoir faire des choses que j'aime. Et souvent les week-ends on est occupé. Et là je vous jure, j'attends avec impatience les vacances aussi. Enfin bref, je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure. Et juste, ça c'est des petites boucles d'oreilles chines. Et ça va hyper bien avec ma. Combi, j'adore. Voilà, juste le petit côté point mode. Voilà. Je vous retrouve. On est toujours le même jour. On est mercredi. Je m'emballe un peu trop vite. On est jeudi. Il est 16h30 quasiment. Je suis rentrée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai galéré à rentrer sur la route. Franchement, les gens endormis, c'est bon. On voit quand même qu'il. C'est les vacances et je sais pas, je trouve qu'il y a un peu plus de monde sur la route.
c'est peut-être moi ou je sais pas. Donc je suis rentrée, j'ai trop rien fait de spécial, clairement là je vais me poser, je vais faire les trucs que j'aime. Sachant que là en plus j'ai un... Je viens d'emballer un colis donc je vais peut-être aller le déposer. Non, je le ferai demain. Mais sachant que mon copain devait récupérer sa voiture aujourd'hui, mais ce n'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Donc il m'a dit, bah si jamais je la récupère pas aujourd'hui, est-ce que tu peux venir me rechercher au boulot? Donc vu qu'il finit à 17h, peut-être que je vais aller le rechercher. On verra. Donc on verra. Pour l'instant, je vais faire quelques marque-pages, etc. Et voilà. C'est chiant parce qu'il me disait que c'était. Il avait pas encore de nouvelles. Donc là, je vais pas savoir quand est-ce que je dois partir ou quoi. Soit, c'est pas grave. Niveau lecture, j'avance bien. J'ai pas encore repris les coquillages, ne s'ouvrent qu'en été. Mais peut-être ce soir. Là, l'objectif, c'est de continuer marque-page en écoutant mon livre audio. J'avance plutôt pas mal. Donc ça, c'est cool. J'ai des colis à ouvrir, mais aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir. Parce que j'ai pas la clé de la boîte à lettres. Voilà. Bon, bref, je vais faire mes marque-pages et je vous retrouve soit ce soir, soit dans la journée de demain. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog. J'ai la voix cassée. J'ai attrapé clairement froid avec le ventilateur cette nuit, je pense. J'ai la voix cassée, mal de gorge, enrhumée. On adore. Bon, de toute façon, c'était à prévoir. Hein. Je m'en serais doutée que j'allais ne pas être bien à force d'utiliser le ventilateur. Bref, j'ai attaché mes cheveux. Je suis prête pour ce jeudi. Ce soir, j'ai un rendez-vous pour la nouvelle maison vers 17h, 16h45, 17h. Et voilà. Rien de très spécial aujourd'hui, je vous avouerai. Je finis à 15h30, je rentre à la casa, je vais me poser un peu. Puis après, je repars, je re-rentre. Et voilà, mon copain lui doit aller dans sa famille aider pour porter des trucs assez lourds. Donc il va pas revenir tout de suite ce soir, mais enfin ça m'arrange entre guillemets parce que ben, moi je suis occupée de mon côté, donc voilà. Et puis porter du lourd, moi là je commence à dire stop. Enfin bref, je vais pas tarder à vous laisser. De toute façon, je vous reprendrai ce soir évidemment. Donc bonne journée à vous et à tout à l'heure. Hello! On se retrouve toujours le même jour, on est jeudi, il est 17h10, je viens de rentrer à la casa. J'ai eu mon rendez-vous à la nouvelle maison, enfin je vous l'avais dit je crois, c'est pour un raccordement tout à l'égout. Elle est venue prendre ses mesures, m'expliquer ce qu'elle allait faire, etc. Et là je viens de revenir exactement il y a 30 secondes avec un colis parce que je rentrais et au même moment il y avait le monsieur de la poste qui était derrière moi. Et du coup, je dis, ah bah c'est sûrement un collier pour moi. Il me dit, quel est votre nom? Donc je lui donne mon nom. Il me dit, c'est bien ça. Donc j'ai un petit colis à ouvrir avec vous. Je sais ce que c'est. Normalement, je sais ce que c'est. Je vais pas vous le montrer. Parce que je pense que je vais le laisser dans l'emballage. Mais c'est mon miroir que je vais mettre dans mon dressing. C'est un miroir que j'ai vu dans une vidéo YouTube de Cleaning Forever, je crois. Et il est magnifique. Un rose un peu avec des... Un peu vintage, en fait. Et c'est ce que je disais à mon copain. Je trouve que mes goûts, au niveau que ce soit vestimentaire ou que ce soit décoration, ils changent énormément. J'adore tout ce qui est ancien et j'adore tout ce qui est ancien, clairement. Et j'aime aussi le moderne, mais je trouve que j'aime beaucoup plus et de plus en plus l'ancien que le moderne. Et dans ma maison, en fait, ça sera moderne, mais ancien en même temps. Enfin, je vous expliquerai un petit peu le style que va être la maison. Mais là, c'est un miroir un peu vintage et ça ira très bien dans le dressing qui est tout blanc. Et là, il est rose, donc ça va bien ressortir. Voilà.
Sinon, là, je vais me laver, je vais lire un petit peu et je reprendrai ce soir pour vous faire un petit topo de mes lectures. Et puis voilà, à tout à l'heure. Je vous retrouve, on est le soir. Il est, enfin le soir, il est 18h passé. Je vais me faire des tresses un peu partout, comme ça demain matin, mes cheveux seront un peu frisettes. J'aurai pas à me les coiffer. C'est vrai qu'en ce moment, j'essaie le moins possible d'utiliser de la chaleur sur mes cheveux. Et puis je trouve qu'il pousse vraiment assez bien. Mes cheveux poussent à une vitesse folle. Et du coup, j'ai mon nouveau pyjama. Il est trop beau. J'adore ce genre de pyjama. C'est hyper fluide sur la peau. Tu transpires pas avec. Enfin, franchement, je l'adore. Donc, je pense que je m'en recommanderai à l'occasion. J'ai celui-là et un rose. Voilà. Parlons lecture. Donc, dans mon livre audio, j'avance vachement bien. J'en suis à là. Je crois qu'il me reste à peu près 10 heures d'écoute. Donc 10 heures d'écoute, ça vaut ça en tout. Le livre fait 31 heures d'écoute. J'en suis à la page 648. Donc j'avance très bien. Là, en faisant mes tresses, je vais continuer à faire ça. Et au niveau de l'autre lecture, j'en suis à là. Un peu plus de la moitié. Il me reste tout ça à lire. J'en suis à la page 206 au chapitre 17. Donc ouais, j'ai lu un peu plus de la moitié. Ça va, j'espère que je terminerai avant dimanche, ça serait cool. J'aime bien, par contre, je pense, en fait, j'adore l'ambiance, c'est tellement un livre pour l'été, clairement, là, on est en plein dedans. Par contre, je pense pas que ça sera un coup de cœur, ça sera une superbe lecture d'été, mais peut-être pas un coup de cœur. On verra d'ici là. Là, ce que je vais faire mes tresses. Ensuite, j'ai préparé toutes mes feuilles pour plastifier les marque-pages qu'il me reste à faire. Il me reste quelques feuilles où je prévois déjà de mettre les marque-pages à l'intérieur pour pouvoir les plastifier ce week-end. Et puis après, je pense que je descendrai, je préparerai ma gamelle pour demain parce que j'ai toujours pas fait. Et j'ai un colis à emballer. Comme ça, je vais faire ça aussi. Et puis, écoutez, voilà. Rien de spécial, j'ai rangé tout mon linge donc ça c'est fait. Et après, on va se reposer. Mon copain n'est toujours pas revenu, il devrait pas tarder donc ça va. Donc, voilà, je vous laisse et on se retrouve sûrement demain. Hello, vous avez vu ma tête en gros plan, magnifique. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog. On est vendredi, il est 8h15, non. Plus 8h20 je pense. Et je viens d'arriver au boulot. Je fais 8h45, 16h45 aujourd'hui. En sortant, je devais aller faire des courses. Sauf que en fait, je me suis rendu compte que ça ne sera pas possible. Parce que en fait, je sais pas si vous voyez derrière, mais c'est plein. J'attends d'avoir mes clés de la maison pour pouvoir tout mettre ce qu'il y a dans le coffre à la maison. Je ne vais pas m'embêter à tout remonter. Si vous savez. Des tailleux, enfin un tailleux, il y a un meuble, voilà, les trucs banals. Mais par contre, en sortant du boulot, je vais quand même déposer mes deux colis que j'ai à déposer. Et je rentre à la maison. Et puis, j'ai deux, trois petits trucs à faire. Voilà. Sinon, ce week-end, j'aimerais bien vous reprendre quand même. Peut-être ranger les pops avec vous. Je vous mettrai dans un coin et puis je filmerai. Pourquoi pas, à voir si ça fonctionne. Parce que mon copain voulait le faire avec moi et je ne sais pas s'il voudrait être affiché sur YouTube. Donc à voir ce week-end. Mais de toute façon, je vous reprends ce week-end, ça c'est sûr. C'est des vlogs un peu moins longs. Je vous avouerai que les deux dernières semaines, là, ça a été chargé le soir. Tous les soirs, on a quelque chose de prévu. Ou alors, je n'arrive pas à filmer parce que j'ai des choses à faire à la maison. Et je prends pas le temps pour faire voilà, des cartons, des trucs comme ça. Mais j'espère que vous m'en voulez pas. Je vais pas tarder à vous laisser comme ça. Je vais aller me changer. Puis je vais aller travailler. C'est la dernière. Hello! On se retrouve. On est vendredi soir. Ça y est, c'est le week-end. Enfin le week-end. Enfin. La semaine passe vite, je trouve quand même. Bref. Je viens de rentrer, j'ai été chercher de la salade pour Apollon. Et puis j'ai trop rien de spécial à vous dire. J'ai déposé mes colis et là je vais aller prendre un bain parce que ben, c'est la période du mois où j'ai très mal au ventre. Voilà, et je vais me prendre un bon bain. C'est le prétexte pour prendre un bain.
parce que je suis quelqu'un qui est accro au bain. Et là, on va dire que c'est un peu un prétexte pour en reprendre un ce soir. Enfin bref, je vais continuer ma lecture. Je vous avouerai, là, je vais lire un petit peu ma lecture. Peut-être pas beaucoup, mais peut-être un peu quand même. J'essaie de lire une bonne partie quand même, on espère. Et jouer à mon téléphone, enfin voilà, faire des petits trucs à droite, à gauche. Et puis voilà, je vous reprendrai demain. Je pense que demain, on va aller faire des courses. Comme je vous l'ai dit, on va peut-être faire toutes mes pop ce week-end. Ça va être cool. Enfin, ça va me décevoir dans le sens où bah, je vais devoir les ranger, mais ça va être cool. Au moins, on prend de l'avance sur le déménagement. On a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Comme quoi l'électricien ne passerait pas avant fin septembre, début octobre, donc ce qui retarde tout dans la maison, clairement. Donc on est ravis. Enfin bref, je vous laisse et on se retrouvera sûrement demain. Oh là, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog. On est dimanche aujourd'hui, je ne vous ai pas repris hier. Parce que hier on a été faire un plein de courses partout. On a été à Maxiso pour le cochon d'Inde. On a été à Grandfray, à Leclerc. On a fait toutes nos courses pour la semaine à venir. Et puis on est rentré. On a fait quand même pas mal de ménage. On a fait la cage d'Apollon. On a fait des machines. Enfin, vraiment plein de trucs. J'ai colorié un petit peu au soir. J'ai joué. Alors, niveau lecture, je vous avouerai que j'ai pas beaucoup avancé. Mais on en reparlera peut-être dans la journée. Mais par contre, j'ai quand même beaucoup colorié et j'ai utilisé mes tool yards. Voilà, j'avais envie de colorier un petit peu au feutre acrylique. Donc j'ai commencé, j'ai fini un colo ce matin. Et là, je suis en train d'en continuer un. Je vais vous montrer ce que ça rend tout de suite. Alors, le premier, ça rend ça. Donc ça, c'est fait au feutre acrylique. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas énormément de traces en fait avec ces crayons-là. C'est le premier que je teste. Alors j'ai mélangé les Touliart et les marqueurs acrylique. Bon, il n'est pas parfait. Vous verrez qu'au milieu, il y a des petites traces. Mais pour une première, je me dis ça va encore. Et ensuite, j'avais commencé celui d'à côté il y a un moment. Et j'ai dit, allez, si tu ne continues pas aujourd'hui, tu finiras jamais. Donc j'ai commencé celui-ci, voilà, qui me prend pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de zones. Alors là, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais je vais petit à petit. Vous verrez qu'au niveau de la tête, là-bas, il y a des petites traces, donc peut-être que je repasserai tout à l'heure. Mais sinon, le reste, ça va encore, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de traces. Donc écoutez, c'est bien, je vais le continuer dans la journée. Là, je vais faire une petite pause. Je vais vous montrer en haut un petit peu où ça en est au niveau des cartons. Attendez, je vais vous reprendre. C'est mieux comme ça pour vous parler. Donc, je disais, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter pour pouvoir continuer peut-être un ou deux cartons. Je me dis que c'est peut-être possible de faire ça aujourd'hui. Un ou deux cartons. Et ensuite, je vais vous faire un petit bilan lecture que je n'ai pas du tout avancé. On va peut-être faire des marque-pages aussi. Enfin voilà, aujourd'hui c'est détente, il fait hyper chaud. D'ailleurs, j'ai mis un petit débardeur aujourd'hui pour dire de rester à l'aise avec un short. Je ne suis pas maquillée du tout. Mais soit, c'est pas grave. Là, on va monter en haut, faire deux, trois petits trucs. Et après, je redescendrai pour colorier. J'ai une coupe. J'ai une tête aujourd'hui magnifique. Et puis après, je clôturerai le vlog ce soir. Enfin, d'ici une heure ou deux. Comme ça, j'aurai le temps de le monter et quand même de vous le poster aujourd'hui. Parce qu'on est dimanche. Voilà. En attendant, je regarde un petit peu les JO. Ça fait. J'adore les JO, j'adore regarder. Et ça fait un moment que j'attendais ça, surtout les JO à Paris. Donc là, on commence bien et voilà. C'est cool. Bref, je vous laisse, on se retrouve après. Ocean blue, I come on for you.
Je vous retrouve, il est quasiment 16h, il fait une chaleur, heureusement que je ne me suis pas maquillée aujourd'hui, que je suis nature peinture, parce que là en haut, il commence vraiment à faire une chaleur, donc je vais descendre. Là ce que j'ai fait, je ne vous ai pas montré, j'ai fait aucun carton parce que j'avais pas la force de le faire, mais j'ai continué tous les marque-pages pour l'anniversaire de mon père, tout est fait, tout est dans la pochette, j'ai plus qu'à lui donner. Quand j'aurai le temps dans les prochains jours qui arrivent. Et tout est fait. Voilà. En même temps, j'ai écouté mon livre audio. Donc, j'ai vraiment bien avancé. Je vais vous en reparler. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vous fais le petit update lecture. Je descends en bas. Je vais regarder les JO. Et en même temps, je vais avancer. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Parce que... j'en suis à la page 228 sur 390 à peu près. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de l'avancer à fond et de continuer dans mon bain ce soir. Comme ça, j'aimerais bien le terminer soit ce soir, soit demain soir. Voilà. Et pour ce qui est du livre audio, l'objectif, c'était de le terminer avant la fin du mois de juillet. Je pense que ça va pas être possible, mais je vous explique pourquoi. J'essaye de quand même l'économiser parce qu'en fait j'ai un crédit audio à partir du 4 août seulement. Donc si je le termine avant le mois d'août, j'aurai plus de livre audio à écouter. Donc là pour le moment j'avance quand même bien, je vous avouerai, mais j'essaye du moins de l'économiser quand même un peu beaucoup. Alors si je dis pas de bêtises, j'en suis au chapitre 29. Ouais, conseil d'orientation. Donc j'en suis à la page 732. Donc il me reste plus que ça à écouter. J'avance pas mal. Franchement, c'est trop bien. J'ai l'impression d'être dans le film. Clairement, mais je sais pas si ça va être un coup de cœur ou pas. Une très bonne lecture, c'est sûr. En fait, je pense que c'est le fait de l'écouter qui me donne envie de continuer et qui me réconcilie avec Harry Potter. Parce que je vous ai dit, les lectures des premiers tomes, ça n'a pas été forcément ça. J'ai l'impression que c'était beaucoup trop jeunesse pour moi. Et là, en écoutant le livre, par contre, c'est beaucoup moins jeunesse. Alors après, on monte en niveau dans les tomes. Là, Harry est adolescent plus, donc il y a peut-être d'autres termes aussi. Mais je trouve que c'est largement mieux que les films. Pourtant, le film 5, c'est l'un de ceux que j'aime le moins. Mais alors là, au niveau du livre, j'ai envie de vous dire que c'est l'un que j'aime le plus. Donc, bon, tant mieux. Je le laisse dans ma petite pochette Harry Potter, bien sagement au niveau de mon bureau. Là, je vais aller me poser et lire un petit peu. Et puis, écoutez, peut-être que demain, j'aurai la motivation de continuer quelques cartons. Demain, je fais 7h30, 15h30. Et je n'ai rien prévu là pour l'instant, le soir, cette semaine. Donc ça, c'est bien. À part mercredi. À part mercredi, mais je viens de me rendre compte que j'avais pas dit qu'on irait à la maison pour le relevé de compteur, enfin bref, faut que je revoie. Mais on a un soir le relevé de compteur à faire, si pas, enfin sinon rien de spécial cette semaine. Donc je vais pouvoir profiter peut-être pour continuer mes cartons. Et voilà, je vais aller lire, je vais aller continuer de colorier. Et moi, je vais aller aussi monter cette vidéo et vous la poster dans la foulée. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Il y a un peu moins de rangement cette semaine, un peu moins lecture. Mais ça a été une semaine vraiment folle dingue, clairement. J'ai été très très occupée et de toute façon, je vous l'ai dit, ces prochaines semaines, ça va être un peu plus compliqué pour moi de vous reprendre. On va faire beaucoup de travaux dans la maison. Alors évidemment, je vous montrerai dans les vlogs l'avancée. Je vous ferai un topo de la maison, comment aller. Enfin voilà, je vous inquiétez pas, je vais pas vous lâcher. Surtout que j'ai repris les vidéos, j'ai repris la lecture. Donc là, je pense que je suis repartie dans un bon mood. La seule chose, c'est le manque de temps. Je pourrais lire beaucoup plus, je sais, mais le manque de temps. Voilà. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je vous reprends.
à partir de demain et on se retrouve demain dans un prochain vlog.